C'est rien que le début. On veut déjà le retour de Neymar, Messi et Verratti. On est encore en septembre, hein? On est encore en septembre. Les gens commencent déjà à râler que non, il faut le retour de Neymar, il faut le retour de Messi, il faut le retour de Verratti. C'est vraiment du n'importe quoi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG et notamment de son milieu de terrain. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot ici. Nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors, les amis, les gens réclament déjà le retour de Neymar, de Messi, de Verratti. Pourtant, on est qu'en septembre, les amis. À peine 5 journées jouées, 5 journées de championnat, on réclame déjà le retour de Messi. On dit que non, c'est un milieu léger. Est-ce que ça surprend le PSG? Ça fait depuis août qu'on en parle, que ce milieu-là est très léger. Que ce milieu est très léger, au très très haut niveau. On en parle depuis août. On en parle depuis août. C'est comme si ça surprenait seulement les gens. C'est comme si ça les surprenait seulement. Donc, pour moi, lui, c'est Enrique, il a vraiment du boulot au milieu du terrain. Il a vraiment du boulot. Je ne sais pas comment il va procéder, mais. Il doit se débrouiller, c'est l'entraîneur, les amis. Il doit se débrouiller, c'est un tacticien. Il a de l'expérience, il sait comment gérer ce genre de situation. Donc, et j'espère qu'il va pouvoir bien le gérer. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!